truc cool à faire avec Vol'jin, je vais prendre Vol'jin. Tout s'est joué sur Tarek, peut-être. J'avoue que les plus 6 d'attaque sur Tarek Goza étaient tentants. Ouais, alors on va prendre ça et je pense pas qu'on va. En vrai, s'il fait Naga pièce, j'ai tout intérêt à faire ça. Hein. Parce que là, s'il fait Naga et qu'il pièce pour essayer de me niquer mon élément plus. Hé! Malin. Non, et même vis-à-vis du mort-vivant, c'est mieux. Vis-à-vis des chats, c'était mieux aussi, ça me fait gagner. Bon là, par contre, on va le garder comme ça, hein. je sais pas, Yolosrap, j'ai pas joué cette compo depuis le patch. Alors, en vrai, le up est plutôt tentant, c'est de la merde ce rôle. Ouais. Sois content, mais ma petite goutte d'eau va te faire les fesses, mon pote. Mais il avait rien sur le board, en plus c'est l'élème de rôle, j'imagine qu'il a. Ah, c'est moche. Up. Ouais, mais le problème, c'est que up avec un pouvoir qui m'aide pas, ça ressemble juste à du suicide. L'autre problème, c'est que faire ces achats-là, ça ressemble aussi à du suicide. Le pirate, c'est des golds. Bah non. Parce qu'il faut que sa vengeance s'active, ce qui actuellement n'est absolument pas le cas. Le truc, c'est que je suis d'accord que le shop est juste horriblissime, quoi. Même pour un shop de taverne 2, il serait horrible. Et là, je suis taverne 3, quoi. On va voir, hein. Mais clairement, la déception est grande, là.
Moins 11, je viens de prendre. C'est honteux, je suis taverne 4, j'ai pas un taverne 4. On va prendre ça et peut-être essayer de faire un 5. Ah, ça c'est pas horrible. Le champ de bataille est un cimetière sans fin. De toute façon, il faut que je frise la savane. Chiant, chiant, chiant. Ça veut en effet pas trop. Je vais déjà être tellement bas en point de vie, my god. Eh. Je lui ai donné son meilleur Leroy à lui. Il va être content. Je ne suis plus qu'à 20 points de vie déjà. On prend ça, on cherche un autre truc. Ça pourrait être un big main verte, hein. Genre un main verte 5-4. Pour l'instant, il lobe de la merde, mon main verte, mais. On peut peut-être espérer que ce soit pas tout le temps le cas. Je suis entièrement d'accord pour dire que ça me dégoûte, hein, mais. Un autre main verte. Putain, si j'avais su, lui, il était pas si horrible que ça à prendre, hein. En vrai, de toute façon, on va acheter tout ça. On va prendre ça. Mon Dieu. Se fait toujours un petit peu exploser le cul. N'abandonnez pas votre courage. Un soldat de plus pour votre cause. On veut ça, hein, je pense. Je les retiendrai ici, piégés dans la glace. C'est chaud.
On est contre lui en plus qui va devoir faire un pouvoir en mode panique. Après on est que tour 7, je sais pas. Mon board est pas horrible, c'est juste qu'il est pas fort non plus quoi. Ouais mais justement je trouve ça dangereux, un adversaire à 12 points de vie, ça veut dire que c'est un adversaire qui va tout jouer en tempo pour pas crever ce tour, donc je trouve pas ça rassurant. Oh non. Bah, il n'y a plus d'à droite ou à gauche en fait, vu que j'ai perdu mes. Ouais. Perdu. Putain, il est fort, lui. Enterrez les jours, ils appartiennent au passé. Inspirez profondément. La mort réclame son dû. Ne cédez pas à ce Oh my god. Faut pas se tromper là. Oh! Le Leroy qui paye peut-être enfin. Incrédible. Qui sait, ça part peut-être de là, hein. Il avait déjà le truc en doré, lui. Ah mais non, c'est qu'il l'a rendu doré, suis-je bête. Mais comment je fais moi maintenant pour être moins nul? Ah, pas comme ça en tout cas. Contre un joueur de bête, j'ai du mal à imaginer le Leroy être bien.
Mon board est nul, on est d'accord, non? Déjà, faut que j'attaque en premier. Ok. Bon, on perd un rip-hop, mais... Oh mon dieu, personne meurt. Oh, pas Galiwix. Tout sauf un Galiwix, quoi. Je vais encore crever contre un Galiwix, non. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. J'ai beaucoup de mal à m'imaginer être en vie là, mais... Qui sait? J'aurais peut-être plutôt dû mettre les stats de l'LM sur lui, c'était probablement meilleur. Ça sent en effet mauvais là. Ah ouais, non, fallait pas que ça meure maintenant. Too soon. Après, attendez. Ça peut le faire là. Oh oui, ça le fait. Oh oui, ça le fait. On n'a pas eu énormément de boost sur les, via les LM, mais on est en vie. Suck Taverne 4 à cause des PV bas. Bah ouais. Hein. Non, mais il faut pas réagir à son message, Bernardo de la Vega. Il est supporter de la K-Corp. Il comprend pas grand-chose aux jeux vidéo. Alors... Vous êtes sur la liste des invités? Insignifiant, mais vôtre malgré tout. Insignifiant.
Va voir, hein. Malgré votre malédiction de chair, vous gagnez en puissance. Oh! Un autre adversaire de soulever? Par contre, c'était vraiment une grosse bêtise d'avoir. Bon, après, c'est peut-être grâce à ça que je suis en vie, mine de rien. Si on a envie d'être résultat orienté, mais je pense quand même que c'était une bêtise d'aller up lui. Oh, si on avait tapé à droite, frérot, on se faisait une quantité de boost avec. Si on est résultat orienté, je crois que c'est grâce à ça que je suis en vie, mais bon. Oh no, oh! On va sûrement se débarrasser de la savane là. C'est forcément un achat ça. Engager une âme misérable, voulez-vous? Un soldat de plus pour votre cause. Vous devriez recruter des serviteurs, général. Ou allez. Allez, faudrait un dernier truc un peu sympa là. Genre un autre tone, c'est pas mal. Il joue mort-vivant lui ou pas? Non, il joue bête donc. Je vois pas trop l'intérêt d'aller jouer ça, autant jouer des gros bodies. On va voir. Tour 12. Est-ce que notre board vaut quelque chose pour du tour 12? Il y a pas mal. Après, ça peut être bien. En fait, ça aurait été ok contre bête si j'avais pu le booster. Est-ce que du coup, on se dit qu'on freeze pour faire un échange ça-ça? Est-ce que ça. Ouais, mais là-bas, ça joue LM. Après, il y a un joueur de mort-vivant là-bas. Je sais pas trop ce que ça vaut de prendre ça. Je préférerais jouer mes triples si je suis en vie. Bon, je suis souvent en vie a priori. Oh le poisson. Le poisson, il est dead. Ok. Bon, c'est pas une free win, mais en même temps, une free win aurait impliqué que je fasse pas beaucoup de. Boost. Bon bah le dynamiteur. Après on l'élimine sur un 10%. Je compte pas me plaindre. Ça nous assure un top 4. Et on rejoue contre le Galiwix. Ok. Bon la boule c'est forcément bien. De toute façon. Est-ce que le level up peut être cool? Essayer d'aller trouver un Leroy, ça peut probablement être bien. Je pense que ça faut dégager. Engager une âme misérable, voulez-vous? Vous devriez recruter des serviteurs, général. Gangré crabouilleur, on va prendre, ça reste meilleur que. Que lui.
Je sais pas. Ouais, j'ai tenté le tout pour le tout, hein, mais... Il est juste trop fort, quoi. Swap le taunt avec la boule, c'était pas cool, ça change quoi? Dans tous les cas, c'est pas des stats que je gagne.